Thomas Marmaille et Vincent Elbaz sont avec nous jusqu'à midi et demi pour En Liberté qui sort dans deux jours, le 31. Tom Villa, ce film va être un succès énorme. Évidemment. Mais pourquoi ? Parce que déjà le film est bien, et c'est pas tout le temps le cas. Puis surtout parce que la com du film a été menée d'une main de maître. Vu que le film est bien, il y a eu des bonnes critiques dans les journaux. Et quand il y a des bonnes critiques dans les journaux, qu'est-ce qu'on fait ? On les montre sur l'affiche. Alors, je me permets de parler de ce phénomène parce qu'avant, on en mettait une ou deux, et enfin les meilleures, enfin les seules bonnes qu'on avait. Mais là, comme le film n'a eu que des bonnes critiques, ils ont tout mis sur l'affiche. Je vous laisse regarder sur Internet. C'est la moitié de l'affiche de En Liberté. C'est les critiques. Donc, fait rire et très fort le monde. Rire en cascade, Télérama. La comédie de l'année, Le Figaro. Je sais pas ce que c'est dit le mec de la com de votre film. Le nom des comédiens, on s'en fout. Ouais, ouais. Leurs photos, on s'en fout. On va mettre en avant Le Figaro qui fait des saltos arrière. Ça, ça va leur faire plaisir. Non, mais c'est vrai. Et encore, vous, le choix des critiques mis en avant est cohérent. Mais il y a des fois, il y a des trucs, c'est assez violent. C'est un très bon film, Le Figaro. Le film de l'année, Picsou Magazine. Alors, quand c'est pour le dernier Disney, tu dis, bon, c'est normal. Mais quand c'est pour le dernier film des Dardenne, tu dis que le mec, on ratissait très, très large à la com. Non, mais c'est vrai, les mecs de la com, dès qu'il y a une bonne critique, ils s'en foutent d'où ça vient. Le Figaro, Les Inrocks, Mickey Parra, Le Chasseur Français, Têtu, Les Inrocks, L'Argus, Sanglier Passion, des fois c'est plus une liste de critiques, c'est les commandes d'un relais H. Et puis il y a la technique aussi quand tu mets des critiques de presse sur la fiche de, tu gardes qu'un bout de la phrase, gag très drôle. À la base c'était malgré quelques gags très drôles, l'histoire peine à avancer et finit lourdement avec très souvent des blagues en dessous de la ceinture des comédiens à la ramasse. Mais là le plus beau, et c'est déjà arrivé quelques fois, dont sur la fiche de Gravity, vous savez, les mecs de la com avaient ajouté sur la fiche du film des critiques de spectateurs de Twitter. Donc, à côté de « À couper le souffle » du Hollywood Reporter, il y avait « La meilleure 3D de tous les temps » signée « @mat7hd ». Donc là, moi, j'ai envie de dire « Allons-y ». Le film est fabuleux, signé Michel, vendeur pendant 3 ans chez Vidéo Futur. Ou encore, on voit bien que le réalisateur a mis tout son cœur, signé Martine, la mère du réalisateur. Non mais moi, je me permets d'en rire parce que j'ai vu votre film et que je le trouve vraiment formidable. Je vous ai mis 4,5 sur Allociné, donc ça, tout le monde est d'accord. Mais là, pour votre film, on a du jubilatoire. La comédie de l'année, ultra jouissif, on a deux doigts de orgasme garanti. C'est plus une affiche, c'est un dépliant pour un salon de massage thaïlandais. Et en même temps, je comprends, les journalistes aiment, le disent, autant en profiter. Après, pour les films que la critique défonce, c'est vrai que c'est plus compliqué pour faire une affiche. Quoi. C'est tout de suite moins vendeur si t'as une affiche, ça fait mouais, bof. Mouais. N'y allez pas, sauf si vous avez du temps et de l'argent à perdre. Fourrure, pas garantie du tout, mais bon, après, c'est quand même pas très sympa pour Aladdin. Alors, en tout cas, moi, je me suis vraiment bien marré. Signé Toto le Fifou, d'ailleurs, si vous voulez me rajouter sur l'affiche et dégager les Inrock, ça serait grand plaisir. Bonne émission. Bravo, merci, Toto. Bravo, Toto. Moi, ça faisait un petit moment que j'avais paré comme ça.